Nom de Zeus. On se retrouve pour le test de la petite Macon. Voilà. Donc c'est la version filaire, mais qui ressemble très 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 fort à une PS4, comme vous le voyez, mais qui est un tout petit peu plus petite que ma PS4. Au niveau du confort, franchement, on retrouve vraiment le confort Macon et tout, au niveau des boutons. Je vais vous montrer, comparer, enfin, faire une comparaison par rapport à la manette Pro. Vous voyez, c'est exactement les mêmes. Beaucoup plus petite hein, quand même qu'on compare à la manette Pro. Voilà, elle est quand même vachement plus petite. Mais au niveau de la qualité des boutons, franchement, il n'y a rien à dire. La probabilité multidirectionnelle est franchement assez bonne. Quoique un peu souple pour moi, je trouve. Enfin, j'aurais mis un petit peu plus rigide. On retrouve bien sûr le bouton char, le bouton option, le pavé tactile. Le petit bouton bah, PlayStation, hein, parce que c'est officiel PlayStation. Les tailles des boutons ici sont exactement de la même taille que les autres, donc que ceux de la Pro. Quand vous la branchez, pour l'activer, il faut tout simplement appuyer sur le petit bouton ici, elle va s'allumer bleu ici, tranquille. Par contre, celle-là, on ne peut pas les programmer, comme la manette Pro, parce qu'il n'y a pas de palette et tout ça. Donc, l'avantage de celle-ci, c'est que tous les boutons ici, enfin tous les analogiques sont creusés. Donc celui-ci est bien creusé avec le symbole d'Acon à l'intérieur. Alors que sur la Pro, le bouton ici, enfin l'analogique ici, est bombé. On a le bouton d'Acon dessus. Voilà, tout simplement. Ici, je vais vite regarder un truc. Je vous reprends dans deux petites secondes. Voilà, vous allez assister avec moi à l'installation un petit peu du Call of Duty Infinity Warfare. Warfare. Voilà, tout simplement. C'est la version Legendary que voici. Donc à l'intérieur, vous avez le jeu ici au-dessus et en DLC, vous avez le petit Call of Duty Modern Warfare qu'on a reçu il y a très peu de temps en gratuit sur PS4, et ici il y a un code en fait qui vous permet de le télécharger avec. Donc déjà celui-ci, il faut que je le remette dans les dossiers, n'est-ce pas? On va le mettre juste ici. En même temps, vous voyez que la manette, bah, franchement, fonctionne très bien, elle ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. Là, ici c'est le pavé numérique, enfin la probabilité multidirectionnelle que j'utilise, franchement, on entend un tout petit bruit de frottement, mais vraiment c'est très 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 léger. Bon voilà, là il reste donc 19 gigas. Bon, il y a 19 gigas de préparation, enfin d'installation. Au total, il fait 130 gigas pour les deux jeux, enfin pour les deux celui-là. Donc ici, il est en train d'installer donc l'Infinity Warfare, donc le premier, et le deuxième, il est en DLC. Normalement, le code est déjà utilisé, je pense. Mais au total, vous voyez bien, sur la boîte, je sais pas si vous verrez bien, mais... Parce qu'avec le focus de merde... Enfin, ça fait bien 130 gigas. 130,60 Go pour les deux, compatible avec la PS Vita, compatible aussi avec les fonctions de vibration, de 1 à 2 joueurs et de 2 à 18 joueurs en ligne, et après c'est 1080p et ainsi de suite comme d'habitude. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que le code il est encore valable jusqu'au 30/9/2019. Mais ici, je ne sais pas s'il a déjà été utilisé par la personne ou pas. Donc on verra. Ici, juste
Ouais, il y a même encore deux incodes ici apparemment. Enfin, apparemment ici c'est pour débloquer des trucs pour... Ouais, des emblèmes tout ça apparemment. Y a un camouflage extraterrestre qu'on peut débloquer. Une carte d'argent et un pack de cartes bonne aventure. Ok. Et le deuxième code, c'est le DLC justement pour télécharger l'autre jeu. Bah voyons, on verra bien quand le jeu sera installé ou pas, si les codes sont utilisés ou pas. Mais sinon, je vais vous montrer vite fait sur un petit jeu ici. Vous allez voir que la manette, franchement, me répond vraiment super bien. Bon, je vais pas faire un truc complet, mais... Donc, je vais faire le niveau 1 vite fait à fond. Et après, ben... Comme ça, vous verrez que bon, bah, la manette fonctionne plutôt correctement. Bon, après, c'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant de passer avec la grosse manette, donc la Pro, puis repasser avec la petite, parce que c'est vrai qu'elle est un peu plus petite. Donc, mais les doigts, franchement, tombent relativement bien, je trouve. Bon, pour le moment ça va, franchement il n'y a rien à dire, elle fonctionne plutôt pas mal. Et pour ce coloris fine, ben vous entendez bien le son du jeu, ben légèrement dans le casque. Donc vous voyez qu'au niveau du son, ce casque-là est beaucoup plus important que Logitech. Moi, c'est ce qui me manquait vraiment beaucoup par rapport au casque Logitech. Voilà, c'était vraiment, donc comme je disais, la qualité sonore du casque qui me manquait sur le Logitech, donc ici Clipper. Avec donc le Soul Alpha, bah, franchement il y a vraiment plus ce problème là du tout, il est vraiment super bien. Après le micro il paraît que bon c'est un peu spécial. Moi je trouve que ça peut aller encore, j'ai réécouté un petit peu la vidéo que j'avais faite. Bah, je trouve que ça va encore un petit peu, c'est le temps de s'habituer aussi. Est-ce qu'avec le Logitech, j'avais une voix très métallique et c'était un peu perturbant encore. Voilà, on l'a bien flingué. Tranquille, donc vous voyez la manette, franchement elle va vraiment bien. Ici je l'ai payé, donc je le rappelle, un petit peu plus de 40 euros. Je crois que c'était 44 euros, il me semble. C'est le même prix sur Amazon, et maintenant Amazon s'est réaligné à Rakuten. Donc elles sont entre 44 et 45 euros. Franchement, pour ceux qui veulent une bonne manette, pas forcément une manette Sony, mais de qualité, ben, je vous recommande les Lacon. Voilà, elles sont moins chères que les manettes Sony, hein, parce que les manettes Sony sont à 70 balles.
Bon, ici, vous allez dire, ouais, mais il y a un fil et tout. Mais le fil, c'est pas un inconvénient, les gars. C'est un avantage. Pas de fil, plus de batterie. Plus de batterie, dit mais est beaucoup plus légère. Et dit que vous pouvez brancher votre casque à l'arrière comme ceci sans utiliser de la batterie. Voilà. Et plus d'heures de jeu, les gars. Plus d'heures de jeu. Mettez-vous ça dans le crâne. Pas de batterie. Tu vas jouer 4 heures, t'as plus de batterie, t'es dans la merde. Ici, ben, tu peux jouer autant que tu veux. Et voilà les potos. Pour la petite vidéo, donc test de la petite Nacon. Et voici, je vous la remontre vite fait. Franchement, très très bonne manette pour quand vous recevez des potes, que vous n'avez pas forcément envie de donner votre manette pro ou quoi, ben, il y a ces petites manettes là qui sont franchement bien sympas et qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!